Canons et obusiers sont installés tous les 150 mètres dans les forêts près de Verdun. Un de ces canons, le Langermax, d'un calibre de 38 cm, doit donner le signal de l'offensive en tirant sur la citadelle de Verdun, située à 22 km. Falkenhayn choisit le 12 février. Mais il pleut. L'assaut sur Verdun est repoussé. Franz Marc fait partie des forces allemandes. Notre division est au repos depuis 2 mois. Elle ne tiendra pas éternellement. N'y espérons-le, cette guerre horrible. Je suis persuadé qu'elle prendra fin cet été. Le ciel se dégage seulement 10 jours plus tard. Le 21 février, à 8h12, le Langermax donne le signal de l'attaque. Le pilonnage dure 9 heures. Les officiers et les artilleurs sont euphoriques. Ils sont convaincus que l'offensive de l'infanterie sera un jeu d'enfant. Mais le plan secret des Allemands est éventé au cours des 10 jours d'attente. Les soldats français attendent l'assaut de pied ferme. Les Français ne sont pas aussi bien armés que les Allemands, mais ils défendent le sol de la France. C'est le début d'un combat qui durera plus de 6 mois.